Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un maillot de foot que vous attendez pour la plupart depuis quelques temps. Donc à quelques jours du début de la compétition de la Coupe du Monde, je vais vous présenter le maillot officiel des Bleus pour cette Coupe du Monde. Donc la version domicile, la version bleue, produite par Nike. Et donc cette version provient de chez SoccerFans. Pour ceux qui connaissent pas, donc c'est un site qui propose plein de maillots de foot. Et aussi quelquefois des chaussures, et c'est des maillots de très bonne qualité qu'ils proposent, et j'ai déjà fait un tutoriel pour savoir comment acheter chez lui. Maintenant c'est un peu plus simple sur son nouveau site d'acheter, puisque c'est directement via carte bleue, mais sinon n'hésitez pas à aller voir cette précédente vidéo ou à me poser la question dans les commentaires de la vidéo, j'y répondrai le plus vite possible comme d'habitude. Donc sur ce maillot là, qui est bleu, hop, que je vais vous mettre comme ça pour que vous voyez bien. Donc c'est un bleu foncé avec les manches bleu plus clair avec un petit dégradé. C'est à l'inverse du maillot qui avait été fait, enfin celui de l'an dernier, enfin du précédent maillot. C'était les couleurs, enfin les bleus étaient inversés. Sinon, donc vous voyez que là les écussons sont le coq avec l'étoile, ainsi que les 3 F de la Fédération française de football et le swoosh de Nike sont brodés, car c'est une version supporter, donc c'est la version la plus classique que vous pouvez trouver, ample, vraiment très classique que vous trouvez partout. Et l'autre version, la version supporter, ça sera floqué comme le disque qu'il y a ici, qui est floqué. Voilà, égal, est plus près du corps, et beaucoup plus aéré. C'est plus pour jouer, l'autre version, elle est plus chère, même chez Superfan elle est un peu plus chère, mais pas énormément. Et voilà. Donc là, le disque que vous avez là, c'est parce que je l'ai fait floquer, le maillot. Si vous ne faites pas floquer, vous l'avez sans le disque. Comme cela. Enfin, c'est le cas dans tous les magasins. Ici, donc au col, on retrouve un petit bouton qu'il y a ici. Et en fait, sur ce bouton-là, donc il y a écrit liberté, égalité, fraternité. Donc on retrouve la devise de la France. C'est plutôt très bien fait, c'est pas mal. Donc c'est un petit bouton, cette partie du col-là est gadget, on va dire, parce que c'est soit pour montrer le bleu, blanc, rouge que vous avez ici, soit vous le fermez et il y a le bouton avec liberté, égalité, fraternité qui apparaît. Donc ça c'est vraiment une question de goût. On retrouve donc ici on a bien sûr toutes les étiquettes du maillot, hein. Donc ça c'est une taille M pour ceux qui se demandent. Dans le col, ici on retrouve un rappel du maillot avec bleu, blanc, rouge. On retrouve un écusson où il y a écrit nos différences nous unissent, et la technologie et la taille. En bas de maillot, on retrouve ici l'écusson authentique Nike, qui est donc brodé. Alors, là, je vais juste enlever ça, hop, voilà. Sur les épaules, donc j'ai fait mettre les écussons de la Coupe du Monde, qui sont officiels. Donc FIFA, My Game is Fair Play, vous voyez. Et de l'autre côté, on a celui donc de la Coupe du Monde de la Russie 2018. On voit bien avec le reflet. Donc je vais vous faire un zoom dessus pour que vous voyez bien comment il est. Il est très joli et très bien fait. C'est vraiment très réussi. Au dos, donc, on va retrouver dans le col supérieur ici donc le rappel du maillot de l'équipe, enfin le maillot de la, du drapeau pardon de la France. Donc bleu, blanc, rouge, qui est légèrement élastique, hein, vous voyez. Avec donc le flocage Mbappé et numéro 10. Donc son numéro officiel pour la Coupe du Monde. On retrouve donc les petits écussons en bas de la FFF, qui est le flocage officiel. On voit des petits hexagones, donc qui rappellent aussi la France, et le ballon en lui-même. Je pense que c'est plus pour la France, mais voilà. Et donc c'est le flocage officiel. Donc le maillot est vraiment très bien fait, je vous invite vraiment à regarder toutes les autres vidéos où je vous montre les maillots qu'il fait, ils sont vraiment très bien faits, très bien reproduits. Et donc pour ce maillot là, je vais faire gagner des maillots de foot, à savoir que donc je vais vous faire en vidéo le domicile, donc le bleu, celui que j'ai actuellement. Ensuite suivra l'extérieur, le blanc. Je pense que ce sera cet ordre là, ou ce sera peut-être un autre ordre. Il y aura aussi le maillot d'entraînement, la marinière, parce que je trouve qu'elle est jolie. Et je sais pas si ça sera dans une des autres vidéos, enfin mixé ou pas, mais il y aura une écharpe de supporter qui suivra aussi. Je sais pas si ça sera par exemple avec le maillot de la marinière. Bref, dans tous les cas, pour que vous sachiez, donc ce maillot là, il est disponible à 16 € à peu près sur chez SoccerFans. Ça fait 19 $. Le flocage, faut rajouter 2 $, et pareil pour l'exécution, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'est ça. Donc voilà, ça c'est le maillot actuel en taille M. Je vais peut-être vous le montrer sur une personne qui a le gabarit pour. Et donc à savoir, comme je vous ai dit, que c'est ça que je voulais vous dire, que j'allais oublier. Pour participer au concours et donc remporter ce maillot de foot, tout va se passer sur Instagram pour cette première partie de concours. Et donc faudra... taguer en fait, il faudra suivre la page, pardon, de HT Chinois, et en parallèle, inviter un de vos amis dans les commentaires à vous abonner à la page Instagram. Bien évidemment, il y a le lien du Instagram dans la description de la vidéo avec les consignes. Ne vous inquiétez pas pour les autres, d'autres maillots vont arriver, et à savoir que si ce concours fonctionne, j'en ferai d'autres pour gagner ce maillot-là. Et si la France va loin, je pense que j'en ferai gagner encore d'autres maillots de l'équipe de France, ou voire d'autres. Mais si elle va très loin, par exemple la finale, je pense que je pourrais en faire gagner d'autres. Voilà, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans la description de cette vidéo, enfin dans le commentaire, pardon, de cette vidéo. J'y réponds le plus vite possible. Souvent, si ça a déjà été posé, je réponds pas. Faut regarder ce qui a été déjà posé. Mais n'hésitez vraiment pas sur les réseaux sociaux et dans les commentaires de la vidéo. Je réponds le plus vite possible. Et n'oubliez pas de vous abonner, il y a d'autres vidéos de maillot de foot qui arrivent de l'équipe de France. Le blanc, l'entraînement de la marinière et une écharpe de supporter. Vraiment pas cher. Allez, salut à tous!